Hey bro. Pour des conditions optimales de visionnage, il vous est fortement conseillé de vous munir d'écouteurs ou casques et de vous plonger dans l'obscurité telle une petite chauve-souris. Oula oula, j'ai peur. Hey, salutations chers visionneurs, c'est Jacuzzi, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Epic Panic sur Mortem. Donc Mortem qui est un alpha démo, ça m'inspire pas du tout confiance les amis. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? On dispose de 10 minutes pour faire quoi? Être prêt à courir? Je sais qu'on peut s'éclairer, la lampe, ouais d'accord comme ça, ok. Peut-être pour faire fuir un monstre ou quoi? Je sais strictement pas ce qu'il faut faire dans ce jeu les amis. Les amis, et bordel de merde, je le sens mal. Holy shit. Putain, sans la lampe comme ça, on y voit strictement rien. Déjà, apparemment, il y a une petite fille. Je crois qu'il faut survivre 10 minutes, mais en faisant quoi? Donc, il y a marqué 0 sur 10. Oh putain. Oui, donc il y a marqué 0 sur 10. Donc, je pense qu'en 10 minutes, il faut trouver 10 choses. Et là, ça vient de s'ouvrir, je crois, la porte. Je sens que je vais pas assumer, bordel. Oh putain, ça. Oh, c'est la merde. Ça me stresse. Déjà, c'est stressant de base. Alors, quand tu sais pas ce qu'il faut faire, que tu sais que si tu te dépêches pas, tu vas crever. Donc, surtout que c'est un jeu qu'on peut mourir. Et je sais pas comment empêcher ça. Oh, la porte vient s'ouvrir. Y a rien ici. Mais, bon, faut vraiment qu'il revoie le système de des portes, quoi. Oh putain. Oh non, pas ça. Pas une chambre de bébé. Oh. Oh. Je le savais qu'il y avait un truc à travers. On se barre. Elle me suit. J'avais vu un truc à travers. Je le savais. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Qu'est-ce que c'est? Je suis censé faire quoi? Non, non, non. Mais il me poursuit. Il me poursuit, le con. Cache-nous. Holy shit. Ferme la porte. Ferme-toi. Ferme-toi. Est-ce que je peux aller là-dedans? Non. Donc, il me poursuivait. Et pourquoi, d'un coup, il me poursuit plus? Attends. Est-ce que je peux me cacher ici? Même pas. Merde, il y a un truc qui arrive, là. C'est pas une bonne idée de rester en plan ici. Ou quoi que non, si, si, je reste en position fétale ici. J'aime bien rester, j'assume pas. En fait, je crois que j'ai compris, les amis, faut juste survivre. 3 sur 10 pour 7 minutes, je crois. Là, ça passe à 4 sur 10, je pense. Vu qu'on est à 6 minutes. Parce que concrètement, non, j'ai rien ramassé, j'ai rien fait. Pourquoi il me met 3 sur 10? Là-dedans, il n'y a rien. Il y a un truc qui bouge, hein. Oh, ma lampe ne marche plus. J'arrive plus à me servir de la lampe. Je crois que c'est la seule... Ouais, c'est le seul endroit où je suis pas allé voir, là. Ok, donc je suis à 3 sur 10, mais je sais pas comment. Je sais pas ce que j'ai fait. Elle est encore là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Que je vais pas aller la voir. Oh. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? J'y comprends rien, mon gars. Pourquoi des fois ils viennent me faire chier et des fois non? Hey, bro. Oh. Je pensais pas qu'il allait me tuer. Ok, deuxième tentative. On va direct aller les voir, non? On va aller les réveiller. Je ne comprends pas trop le concept. Est-ce qu'on va la voir? On la voit qui dépasse du placard. C'est bon, moi, j'y vais pas. T'es fou, toi. Et je crois que l'autre, il est dans cette pièce. Oh. Et pourquoi il bouge pas? Troisième tentative. Donc apparemment, quand on les éclaire, ça les énerve. Pour moi, c'est tout ce qu'on sait. C'est absolument tout ce qu'on sait. Peut-être qu'en fait, il faut attirer les monstres quelque part. Enfin, les espèces de poupées dégueulasses. Bon, ok, on va essayer d'attirer elle. Viens. On court, on court, 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 court. Ok, est-ce... Non, 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 non. Eh, oh. Oh, jour où tu te refermes. Ah, ça y est, il est sorti. Viens, la salope. Est-ce qu'on n'essaierait pas de réveiller l'autre? Ah, mais j'ai un temps limité pour me servir de la lampe. 33, en haut à droite. Ouvre-toi. Oh. Quatrième tentative. Je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire. Ah, non, ouais, d'accord. Je croyais qu'on pouvait sortir dehors. Mais non, il y a une vitre. Ça, vous savez, c'est le genre de chaise dégueulasse dans les films d'horreur qui bouge toute seule. Je déteste ça. Bref, arrêtons les conneries. Moi, je suis chaud. Bon, on va essayer de réveiller celui-là. Attends, mec. Mec, il est pas là. Oh, il est pas au même endroit que d'habitude. Ça veut dire que ça peut changer. Oh, j'aime pas ça. Ah, il est là. Est-ce qu'il me suit? Je te vois, salope. Vous avez vu, ça fait 1 sur 10. Je crois qu'à chaque fois, il faut les aggro, les inciter à nous poursuivre et s'enfuir. Non, tu veux pas venir? De toute façon, là, je suis obligé de faire ça parce que si je passe à côté, elle va me niquer, c'est sûr. Je t'aggro, salope. Putain, elle veut plus me poursuivre. Je suis passé à 2 sur 10. Je sais pas comment. Comment fais-je? Tiens, prends ça. Ah, ça fait 3 sur 10. 4 sur 10. 5 sur 10. Il fait de plus en plus noir.
Elle est buggée, elle est coincée. Du coup, j'arrive à augmenter mon truc sans qu'elle me poursuive. Et vous avez vu, il fait tellement noir. Et là, je crois que je vais win. Ouais, j'ai gagné. Allez, c'est bon, salut, fin de vidéo. Ciao. Non, allez, sérieusement, on va réessayer, mais dans les règles de l'art. On va faire pareil, on va aggro l'autre, on va essayer de s'échapper. Mais sans qu'il y ait de cheat ou quoi que ce soit. Mais vous avez vu comment on y voyait tellement rien à la fin tout à l'heure. Ça va être tellement dur. Surtout que les endroits sont restreints et étroits. Oh, calme-toi mon gars, calme-toi la porte. Bon, ok, je crois que la meuf de tout à l'heure n'est pas là. Oh bordel. Ok, ça fait 1 sur 10. Elle est où là? La normale est juste là, faut que je lui mette un coup d'éclairage dans la gueule. Là! Mais non, mais elle est encore buggée, cette conne. Allez meuf, poursuis-moi. On va bien s'amuser, ou pas? Que faire pour la débloquer? Allez, j'ai touché le cul et tout. Ah, ok les amis. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo sur ce jeu. Alors voilà, il faut savoir que c'est une démo. Enfin, c'est même pas vraiment une démo finale, c'est une alpha démo. Donc c'est vraiment en cours de développement quoi. Franchement, on est obligé, c'est dommage, le jeu a l'air super cool. Il y a des petits screamers intéressants et tout ça, mais c'est tout simplement trop buggé. Je vais regarder d'autres vidéos pour vérifier si les autres personnes avaient le même genre de problème. C'est tout le temps pareil, des bugs à foison. Donc ça sert à rien de continuer. J'espère quand même que vous aurez apprécié découvrir ce petit jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve à la prochaine. Salut. A shadow through your face is like an action back flip, snap you right in your motherfucking tracks and take your life strategy. I got four yaku defensive. I'm back to jutsu, hit you up with the food.